Donc on a un petit temps maintenant, comme on a eu hier en fin d'après-midi, où les deux intervenants de la journée peuvent donc dialoguer, rebondir, nous disions hier, sur les propos de l'un et de l'autre pour justement faire avancer encore notre réflexion sur la fraternité. C'est toujours extrêmement difficile de commencer qui lance le ballon. C'est vous, oui, oui, peut-être ça laissera souffler Anne-Marie. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup apprécié l'exposé d'Anne-Marie Petitjean et pas seulement en tant que sociologue. Donc, quelques réactions. Vous avez rappelé avec beaucoup d'intérêt ces textes essentiels de Vatican II, mais il y a toute la problématique qui étudie aussi les historiens du catholicisme, de la réception des textes conciliaires et des courants divers ou des aléas divers de cette réception. Et donc, évidemment, d'un point de vue socio-historique, on pourrait amener des nuances et des questions sur la question de cette réception, les tensions, les débats que cela suscite au sein même du monde catholique, mais que l'on comprend d'autant mieux à partir de ce que vous avez souligné, à savoir le caractère profond et essentiel de ces textes et la novation, l'ouverture, l'évolution qu'il représente. Ma deuxième remarque, ça serait pour dire que vous soulignez à très juste titre une des spécificités du christianisme, c'est ça, à partir de son autocompréhension comme message religieux, sa participation à la construction de la fraternité humaine universelle. Et je pense que c'est un point actuel dans la façon d'accueillir les voies religieuses qui est à la fois apprécié, mais qui est en même temps problématique pour certains, puisque la tendance à enfermer, j'allais presque dire, le religieux dans le religieux, bon, il y a le christianisme, il y a le bouddhisme, il y a l'islam, il y a le judaïsme, il y a l'athéisme de la libre-pensée, etc. Et donc, c'est une conviction parmi d'autres. Or, une sorte de rabotage où on ne s'intéresse pas tellement plus avant au contenu des messages religieux, et une investigation plus approfondie des différentes expressions religieuses montre, c'est un fait, qu'il n'y a pas de façon aussi marquée dans diverses expressions religieuses, mais c'est un petit peu religieusement incorrect presque de dire ça, dans une sorte de valorisation de la pluralité religieuse et convictionnelle pour la valorisation de la pluralité en tant que telle. Tous les messages religieux n'articulent pas la même vocation, insistance à la participation d'une fraternité humaine universelle. Et donc là, il y a une particularité, me semble-t-il, théologique du christianisme, que d'autres partagent aussi. Hein. J'entre là dans un domaine un petit peu compliqué et délicat, mais lorsque le pape Paul VI était déclaré expert en humanité à l'Assemblée générale de l'ONU, ça avait suscité des réactions. Le catholicisme accapare l'expertise en humanité. Donc, si vous voulez, le type de débat que ça peut provoquer, précisément de cette dimension universelle qui va vers l'autre et un objectif beaucoup plus universel. Les deux autres remarques que je voudrais faire, c'est
sur l'écuménisme chrétien, l'intérêt, l'importance de tout ce que vous avez dit. Je me demande, alors ça c'est un peu une hypothèse que vous retrouverez d'ailleurs dans la publication des actes de ce colloque sur les protestants de famille recomposée, puisque j'avais fait l'exposé sur l'état actuel de l'écuménisme catholico-protestant. Je fais un peu l'hypothèse, n'y a-t-il pas une tendance à ce que j'appelle, excusez-moi le mot, une évangélicalisation du christianisme, au sens de évangélique, évangélical, d'une sorte de christianisme transconfessionnel du converti, et qui est évidemment en particulier marqué par l'importance de l'évangélisme, mais aussi que l'on rencontre sous d'autres formes dans le monde catholique. En fin de compte, ce qui compterait, c'est la conversion des chrétiens, et on ne discuterait plus tellement de théologie, d'ecclésiologie, parce que ça apparaîtrait second, voire secondaire. Et j'en avais vu un peu une vérification empirique dans l'attention que j'avais portée, puisque vous étiez à ce colloque, au parcours alpha. Une évangélisation par la fourchette, si je puis dire, qui a beaucoup pris, aussi bien dans le monde catholique, dans le monde protestant. Bon, ça nous vient du monde anglican. Et donc, où là, il s'agit en fin de compte de redécouvrir les vérités essentielles du christianisme, mais avec une certaine euphémisation des différences doctrinales, ecclésiologiques, etc. Bon, en même temps, ça s'adresse beaucoup à ce qu'on appelle des recommençants, des personnes qui redécouvrent leur identité, mais en même temps, je me demande s'il n'y a pas une certaine euphémisation des différences doctrinales et ecclésiologiques au profit de la polarisation sur la conversion de l'individu. Et je pensais en vous écoutant, vous la connaissez sans doute, cette phrase qu'aimait le pasteur Marc Bögner, mais qui reprenait du pasteur Tommy Fallot, qui est une figure de christianisme social protestant, et qui reprenait aussi du pasteur Jean-Frédéric Oberlin, pasteur bien connu en Alsace. Cette phrase disait ceci, « Le chrétien sera protestant ou ne sera pas, l'Église sera catholique ou ne sera pas. » Une façon d'insister sur le fait que il y a d'abord la conversion et l'engagement personnel de l'individu, et s'il y a ensuite une fraternité des convertis, c'est l'Église universelle. Ça ne peut être que l'Église universelle, et donc l'Église catholique, au sens précis, catholique universelle. Et donc, je repensais un peu à cette phrase, et j'ai même pu risquer la sociologie présente quelquefois des conclusions qui bousculent un peu le schéma. J'avais même parlé d'une certaine protestantisation du sentiment religieux, mais pas une protestantisation confessionnelle, au sens où l'insistance sur la démarche personnelle de foi, d'élaboration, etc. Protestantisation séculière, donc, du chrétien, et d'une certaine catholicisation des églises, y compris d'ailleurs des églises réformées et luthériennes. Donc, vous voyez, ça peut présenter là aussi des paradoxes. Et vous avez fort bien montré, et combien c'est important, c'est vraiment la question du vocabulaire, la question des mots que l'on emploie pour parler de l'autre, désigner l'autre. Les fameux exemples, la façon dont, d'un point de vue catholique, on pouvait désigner les protestants, etc., c'est particulièrement significatif, mais c'est vrai, comme vous le dites aussi, la façon de parler des non-chrétiens ou des non-croyants, même si ça pose un véritable problème, parce qu'il y a des engagements, des appartenances positives identifiables, et puis il y en a qui sont précisément sans appartenance et qu'on a peine à définir autrement que par la négative. Mais j'ai plusieurs fois entendu du côté laïque, Régis Debray le premier, il n'aime pas qu'on dise les non-religieux. Ça, parce que c'est effectivement une définition négative. Mais reste que ce problème de vocabulaire est absolument essentiel.
Et je termine en disant, vous l'avez dit à un moment, une théologie profonde de l'écuménisme manque souvent. Est-ce que c'est pas aussi un résultat de la banalisation et de la généralisation de l'écuménisme au niveau des relations interhumaines entre protestants et catholiques, entre prêtres et pasteurs, entre autorité ecclésiastique catholique, autorité ecclésiastique protestante et orthodoxe, bien sûr. Y a-t-il toujours une telle vigueur de la recherche théologique écuménique, ça c'est un peu une histoire de la pensée théologique, m'amène aussi à poser la question. Voilà une première réaction à votre propos. Si je rebondis sur ce dernier point, moi je ne suis pas aussi sûre que vous que ces relations soient devenues banales au sens où elles existeraient. Et donc ce serait banal parce qu'elles sont. Moi je suis plutôt étonnée de voir qu'elles ne sont pas. Alors moi je ne suis pas de la Drôme. Hein. Voilà, il y a une sorte de chacun chez soi tranquille qui m'effraie beaucoup plus que la banalisation d'une amitié. Voilà comment moi je le vivrais. Pour ce qui est de l'euphémisation, moi, je suis quand même assez frappée par le fait que, pour les parcours alpha, moi, j'ai suivi un parcours alpha dans une paroisse luthérienne du 93, animée par un luthérien évangélique. Vous savez, de type converti, justement. Hein, voilà. Et j'en ai beaucoup parlé avec mes étudiants du Chemin Neuf, qui m'ont dit que eux faisaient le parcours alpha, mais en ont transformé le contenu, ils ont gardé la forme qui me paraît de fait intéressante, c'est-à-dire d'évangéliser et de faire connaître la foi chrétienne par la convivialité aussi, hein. Mais ils ne disent pas le même contenu et ils s'étaient posé la question de savoir est-ce qu'on va garder le même titre alors qu'on a changé le contenu, et par conviction œcuménique on a gardé le même titre, c'est-à-dire on est d'accord pour ce type d'action mais on le vit dans la différence. Donc dans le monde catholique qui fait les parcours alpha, moi je n'ai pas fait d'enquête là-dessus, mais il faut savoir qu'il y a eu cela de poser. Quoi. Donc, ça. Alors la question qui pour moi est la plus forte dans ce que vous avez dit, c'est la question de la réception du Concile Vatican II. C'est bien pour cela que je n'ai pas voulu traiter que des textes. Alors j'ai squeezé une partie, c'était pour dire finalement le déjà-là de la réception. Qu'est-ce qu'on appelle la réception d'un concile? Peut-être qu'il faut qu'on se le redise. Ben, la réception d'un concile, c'est quand une décision doctrinale prise par ceux qui nous représentaient, l'enjeu c'est qu'elle devienne le bien des églises ainsi représentées, c'est-à-dire que tout le monde y retrouve son bien. Tout le monde est heureux d'y trouver une expression de sa foi, et donc ça devient la chair d'une église. C'est plus seulement une impulsion. Alors c'est évident que ce genre de réception, qui concerne aussi les dialogues œcuméniques, entre parenthèses, ce genre de réception prend beaucoup du temps, ça c'est la première chose. Et alors on dit d'une manière un peu théorique, il y a un Canadien qui s'appelle Gilles Routier qui a fait sa thèse sur la réception d'un concile, qui a un peu déterminé les moments de la réception en disant il y a un moment de la réception kérigmatique et on risquerait de s'en satisfaire, il suffit de parler de Vatican II et il y aurait réception. Non, il faut que la réception soit pratique. Mais dit-il, pour qu'une réception soit pratique, il y a deux moments. Il faut que les textes s'inscrivent dans les institutions, le droit, la liturgie, la catéchèse, la théologie, etc., et qu'elles s'inscrivent dans les mentalités. Et ces deux, vous vous rendez compte qu'ici, il y a une sorte de dynamique, de dialectique importante, c'est qu'il n'y aura pas de transformation des mentalités sans transformation des institutions, mais il n'y a pas de transformation des institutions sans transformation des mentalités. Voilà. Donc il a travaillé sur un point précis de Vatican II pour voir comment ça avait pris cher dans un diocèse particulier. Donc ça, voilà ce que c'est la réception d'un concile. Et on emploie ce vocabulaire de la réception donc pour les textes œcuméniques. Un des enjeux, par exemple, on confie
un dossier à un groupe, et ce groupe remet à son église, aux églises concernées, pardon, les résultats de ses travaux. Et donc, c'est les églises qui devront vérifier que c'est leur bien. Et c'est cela qui pourrait quelquefois, on devrait sentir un peu plus. Alors nous, les catholiques, on le sent beaucoup moins que les protestants, ce genre de moment de la réception. Par exemple, prenons l'exemple de la déclaration luthéro-catholique. Pour qu'elle soit signée par un représentant des luthériens, c'est tous les synodes qui ont dû s'en emparer. Et vous savez, comme il a fallu reprendre le débat du XVIe siècle avec les mots du XVIe siècle, vous vous rendez compte l'effort de ces paroissiens. Ça aurait été impensable et impossible dans le monde catholique, mais en plus, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Donc, ça a été débloqué par des services universels de l'Église, au niveau de l'Église tout entière, pour nous. Mais quand est-ce que ça va devenir notre bien? Ça reste en suspens. Alors que chez les luthériens, ça a forcément déjà travaillé la chair des églises. Et donc, le processus de réception n'est pas le même dans le catholicisme que dans le protestantisme. Alors, ceci étant dit, c'est un peu du préalable méthodologique, c'est évident qu'il y a un suspense sur la réception de Vatican II. C'est-à-dire, est-ce que ces lignes que j'ai rappelé, par exemple pour l'œcuménisme, là, est-ce que vraiment ça va devenir la chair de l'Église? Est-ce que la nécessaire conversion des formes inadéquates, comme on dit, qui pour toute personne engagée dans l'œcuménisme supposerait une nouvelle manière de vivre la catholicité au niveau de l'Église tout entière? C'est-à-dire de passer progressivement à un modèle qui ressemblerait plus aux anneaux olympiques qu'aux chapeaux pointus, si vous voulez. Voilà, c'est-à-dire un modèle qu'on dirait communionnel. Ça n'implique pas qu'il n'y aurait pas une primauté qui veille à cette communion d'ensemble, mais, qui réserverait un peu le discernement de l'accueil et des réponses aux questions de notre temps, à des grandes régions culturelles qui pourraient mieux discerner ce qu'il en est localement. Voilà. Et que ce modèle-là, de devenir une église d'église, d'avoir un modèle plus communionnel, c'est le modèle, qui peut permettre d'imaginer une communion œcuménique, qui ferait droit à ce qu'on a appelé dans les temps anciens les patriarcats. C'est pas seulement des régions du monde, mais c'est, comme disait le cardinal Willebrand, c'est des groupes entiers qui vivent d'un certain charisme et qui rentreraient dans la communion avec leur charisme et leur particularité régionale, mais régionale au sens métaphorique du terme cette fois-ci. Donc si nous ne changeons pas notre mode de faire église au niveau de l'Église tout entière, on ne peut pas imaginer ce qu'on appelle techniquement un modèle d'unité. On n'en a pas si on ne change pas. Voilà, donc ça, c'est un exemple très concret. Or, il y a des avancées, il y a des choses qui iraient dans ce sens à Vatican II, mais le travail n'est pas allé au bout. Donc on est dans un moment de suspense, parce que si on voulait aller au bout, il y en a qui disent qu'il faudrait un Vatican III. Très bien, bon, déjà il faut trouver un moyen de travailler à 5000 personnes, ce qui n'est pas du tout évident, et qui quelque part risquerait encore de gommer ces questions. La foi, elle se vit toujours dans l'humanité et donc dans une culture. Et donc finalement, moi je rêve plus de synodes régionaux qui aient les facultés de décision d'un synode de l'Église entière, et puis de trouver des modalités de rencontre des délégués de ces régions pour un peu partager les joies et les peines et voir comment les autres réagissent à ce qu'on a cru bon de discerner. Voyez. Donc là, c'est, quand je dis que la réception de Vatican II reste en suspens, c'est que... je ne sais pas seulement est-ce qu'on va être d'accord avec des mots, mais c'est est-ce qu'on va être d'accord avec une autre manière de vivre ce qui est notre charisme quand même,
de trouver des moyens exprimant la catholicité concrète. C'est vrai qu'on a une sensibilité très forte à cela, mais il nous faut changer la manière d'en vivre, ça c'est clair aussi. Alors si on voit, là aussi, déjà là, pas encore, par exemple les fameux synodes continentaux, alors, ce n'est pas des synodes plénières, ils n'ont pas de pouvoir de décision. Quand Paul VI les a institués, il se croyait très généreux, il en a fait des conseils du pape, vous voyez. Donc, on reste dans le schéma comme ça. Mais cet habitus de la rencontre et de la particularisation des questions, des couleurs que prend l'Évangile dans la différence, peut travailler quand même notre Église fortement. Donc, voilà, je crois que... C'est vrai qu'à vue humaine, on est loin de tout cela, et en même temps, voilà, il y a des choses quand même qui se passent. Bon. Mais je maintiens que c'est un suspense, et que ça l'est d'autant plus aujourd'hui qu'hier. Ça l'est encore plus aujourd'hui qu'hier. Voilà. Alors c'est ce que vous avez rappelé ce matin, c'est les situations, le moment identitaire dans lequel nous sommes. En général, moi, j'aime bien dire que l'identitaire, c'est le contraire de l'identité. Parce que nos expériences d'identité, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais pour moi, je ne me suis pas donné mon nom. Et donc, pour moi, l'identité, c'est reçu, c'est fondamentalement reçu. Antioche, c'est les autres qui ont appelé le groupe des chrétiens. On ne se donne pas son nom. On ne se donne pas son nom. Et donc, on est identifié dans la rencontre. Alors, ce matin, vous aviez dit, j'aimerais bien vous réentendre là-dessus, que finalement, il faut avoir conscience de son identité pour rencontrer l'autre. Et moi, j'ai aussi l'expérience qu'on est fortement identifié dans la rencontre de l'autre. Et comment vous approfondiriez ça? Oui, très bonne question et réflexion. Bon, je faisais un peu référence au concept d'identité narrative de Paul Ricoeur et le fait que pour être soi au plan individuel et collectif, il faut s'inscrire dans une narration qui puisse rendre compte de son parcours individuel, car je suis fils de... Et donc, identité reçue, mais qu'est-ce que, et de toutes sortes de réceptions, mais qu'est-ce que j'ai fait de toutes ces réceptions qui m'ont construite? Qu'est-ce que j'en ai fait? Et donc, l'identité du même, c'est le même individu. Pour chaque individu, on peut se dire, j'étais enfant, j'étais adolescent, j'étais jeune adulte, je suis maintenant comme ceci, mais je suis aussi la façon dont je me suis approprié tout ce que j'ai reçu, tout ce qu'on m'a apporté, et la façon dont je l'ai digéré, repris, etc. Et ça, c'est aussi bien valable au plan individuel qu'au plan collectif. Et donc, je voulais insister sur ce point, tout en étant d'accord sur les relativisations nécessaires de toutes les identités. Il n'y a aucune identité qui est stable. C'est toujours en évolution et en interaction avec d'autres identités. Et en particulier, c'est le cas des identités catholiques et protestantes, à commencer par ce qu'on a appelé la réforme catholique ou la contre-réforme au XVIe siècle. Il y a eu aussi une construction du catholicisme en réponse au protestantisme. Et d'ailleurs, les historiens nous apprennent que au Moyen-Âge, je voudrais choquer personne, mais le catholicisme n'existait pas, l'Église catholique. Mais pas le catholicisme, et qu'il y a eu une confessionnalisation du christianisme, mais qui s'est co-construite dans un processus de différenciation. On a appelé les protestants, bon, c'est la Dieppe de Spire et les protestants, etc., de 1529, mais c'est toujours aussi des hétéro-appellations. Et ça, Congar l'avait bien étudié dans son fameux ouvrage de 1936, Chrétiens désunis.
Mais donc il y a toujours cette co-construction des identités, et en même temps, c'est ce qu'en fait un individu, ce qu'en fait une collectivité, parce que c'est en même temps un support pour l'action et la transformation de soi. Et ça rend l'agir et aussi la fraternité possible. Parce que je dis peut-être ça pour réagir contre une conception un peu irénique et abstraite de la construction de l'universelle fraternité humaine, qui consisterait à dire nous sommes tous hommes, à condition de nous dépouiller de toutes nos particularités. L'universalisme abstrait. Et il y a eu un peu une tendance dans la philosophie politique française, y compris dans une certaine façon de concevoir la laïcité. On serait universel par abstraction de nos ancrages, de nos différences, etc. Or, à mon avis, l'essentiel, c'est d'être universel à partir de ce qui a contribué à nous faire ce que nous sommes, et à partir de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on a reçu. Et ça c'est un point essentiel, parce que l'anthropologue Marc Auger a parlé de la surmodernité, moi j'emploie le terme d'ultramodernité, en disant par exemple que vous soyez à Hong Kong, à Singapour, à New York, à Roissy, etc., dans un aéroport international, vous savez même plus où vous êtes, tellement les aéroports se ressemblent. Bon, il y a quelques marqueurs linguistiques, mais bon, c'est souvent en anglais. Donc, et donc comme si la modernité, c'était être libre de toute attache et de ne pas avoir de couleur. Et ça, c'est l'universel à travers la marchandisation du monde, à travers la logique de l'échange. Le véritable universel, et j'ai souvent cité la phrase de l'écrivain portugais Miguel Torga, l'universel, c'est le local moins les murs. Autrement dit, c'est être enraciné quelque part en étant ouvert à l'autre. Et donc c'est un petit peu en réaction à ces façons uniquement négatives de percevoir les ancrages, mais vous avez tout à fait raison, c'est très important de souligner, on les reçoit et chacun les digère, se les approprie, les transforme, les redit, et c'est en perpétuelle évolution et en interaction. Oui, je suis d'accord, mais dire qu'on se reçoit ou on reçoit son identité grâce à l'autre, ça ne veut pas dire qu'on sombre dans le mimétisme et qu'on oublie son patrimoine, mais c'est que son patrimoine est réveillé en même temps qu'il est purifié par la rencontre. C'est-à-dire que j'ai jamais tant pris conscience que j'étais catholique au sens fort du terme. Souvent, en France, il y a des gens qui vous disent « Oh, moi, j'en peux plus de ces interventions du pape, je me fais protestant. » Bon. Ben, moi, je trouve que c'est une conception très superficielle de l'identité catholique, parce que en vivant en milieu protestant, donc j'ai fait une fois un stage linguistique de 2 mois, j'ai habité au lieu où était née la diaconie en Allemagne, à Düsseldorf. Ah bon, ben, je suis dans le micro, il faut manger. Voilà. Je veux dire que moi, j'ai découvert mon identité catholique en vivant en milieu protestant. Mais non pas catholique par le petit bout. Hein. J'ai compris combien j'avais une vision, attention, je vais dire un gros mot, sacramentelle du monde, des autres et des personnes. C'est-à-dire que le visible, potentiellement, pouvait me révéler de l'invisible. Et j'ai assez étudié la théologie luthérienne pour recevoir l'avertissement que, attention, le visible peut aussi masquer l'invisible. Mais voilà, mais je me rends compte que je suis tombée dans cette marmite quand j'étais petite, que, alors, la question du rapport au ministère, au pape, tombe là-dedans, c'est-à-dire il y a quelque chose qui nous est rappelé, que ce soit dans le cosmos, que ce soit dans le vivre ensemble, que ce soit dans les différents rôles qui sont dans l'Église. Donc c'est du fait de cette expérience-là, parce que bien sûr on peut aussi s'identifier dans la rencontre, non pas grâce à l'autre, mais contre l'autre. Il y a un peu trois modèles. Je m'identifie contre lui, ça c'est la contre-réforme. Je peux m'identifier malgré lui.
et puis je peux être davantage identifiée grâce à lui. Voilà. C'est donc je me situais plutôt dans cette troisième là. Alors pour l'universalité, je suis tout à fait d'accord. Il y a d'universel que concret. Hein, sinon, c'est un universel qui n'a pas de consistance. C'est ce que j'ai passé très vite sur la question de la prière. Quand on prie sans nommer, sans être affecté par un visage, sans etc. Finalement, l'universel ne vient pas tellement travailler votre particularité. C'est voilà. Alors c'est aussi pour ça que j'ai un avenir de communion chrétienne que si nous-mêmes nous transformons nos modèles de l'universel, notre modèle catholique au sens confessionnel du terme ici, de l'universel, pour grandir en catholicité. C'est-à-dire que, si les régions, si les églises deviennent régionales, si le discernement de l'évangile, justement parce qu'il naît, et parce que l'évangile est universel, il ne peut être qu'accueilli et reçu de manière différente dans des cultures particulières, et ça supposera de trouver d'autres manières d'échanger entre ces cultures, eh bien pour moi, ce sera la véritable manifestation d'un universel qui grandit. Donc il est absolument concret, l'universel dont j'entendais parler. Par contre, je trouve que votre propos avait l'avantage de nous remettre aussi, parce que la théologie, ça peut toujours nous faire planer, et que l'œcuménisme dont j'ai parlé, quelque part, il est bien mis au défi par la nouvelle configuration que vous avez évoquée, hein, c'est-à-dire cette différenciation énorme. Hein, l'œcuménisme dans lequel est né le groupe des Dombes, c'était les catholiques et les protestants en Europe. Hein. Bon, si moi, dans mon 93, l'œcuménisme, c'est les églises orthodoxes, les coptes, les syriaques, deux communautés, les évangéliques néo-pentecôtistes, etc., de tous les pays du monde. Et là, on est démunis. Hein. Donc, il faut bien maintenir vif le désir de communion des chrétiens, vif le sens de l'Église que l'on professe pour nous-mêmes. Et en même temps, il ne faut pas se leurrer, il y a des nouveaux défis et on est démunis devant. L'heure tourne, je ne voudrais pas vous couper brusquement, mais peut-être faut-il s'arrêter. Est-ce que, Anne-Marie vient de développer un certain nombre de choses. Est-ce que Jean-Paul voulait dire juste un mot qui va clore notre table ronde et du coup presque notre université d'été? On a encore du temps où on va se dire les uns les autres, on va faire mémoire les uns les autres de ce que nous avons vécu, de ce que nous allons emporter. Un petit mot peut-être? Oui, mais je n'ai aucune qualité pour conclure votre université d'été à laquelle je n'ai participé que pour cette journée. Donc, pour aujourd'hui. Voilà, pour aujourd'hui. Voilà. Mais pour aujourd'hui, deux points. D'une part, il est tout à fait clair que, particulièrement dans la conjoncture actuelle, les manifestations d'unité chrétienne, ou lorsqu'il y a des coopérations, des actions communes, catholiques, protestantes, orthodoxes, évangéliques, etc., ça a un effet, un impact assez repérable. Je veux dire, il y a une bonne réception ces chrétiens qui certes ont différentes confessions, mais ils agissent ensemble. Et ça a un certain impact. Et en plus, c'est souvent apprécié même des autorités publiques. Ça a une certaine autorité, je dirais, lorsque les chrétiens de différentes confessions associent leur voix pour s'exprimer ou prendre position dans le débat public. A contrario, toute manifestation de confessionnalisme ou de conflit. Alors, il y a évidemment le cas historique douloureux et qui s'explique aussi par toute une série de facteurs non religieux de l'Irlande du Nord, mais ou l'exemple, un tout autre exemple de chrétiens orthodoxes en venant aux mains pour se disputer l'appropriation d'un lieu de culte entre patriarcat, etc. Ça, je veux dire, ça a un impact
très très fort, qui est tout de suite interprété comme cette fraternité dont parlent les chrétiens, c'est de la bibine, voyez comme ils s'entre-déchirent, y compris les quelques comportements au niveau des lieux saints, à Jérusalem, etc. Bon, ça, ce sont maintenant, dans une civilisation de l'image, de la communication, ça circule presque en boucle ensuite, voyez comme les chrétiens s'aiment. Bon, je veux dire, c'est un effet immédiat et dont il faut prendre conscience, et donc encore une fois dans les deux sens, lorsqu'il y a au contraire visibilisation, etc. Et la deuxième chose, et je m'arrêterai là, c'est cette importance de reconnaître les héritages qui ont contribué à nous faire ce que nous sommes. C'est tout le débat à l'échelle internationale des droits de l'homme. Les droits de l'homme. Si, et de la position de l'Europe par rapport aux héritages, y compris religieux, qui ont contribué à faire ce qu'elle est, si on dit à l'échelle de l'Europe, y compris à l'échelle de la France, mais nous, on n'a pas besoin de rappeler la part que l'on doit, ou par exemple, aux héritages religieux dans notre façon d'être, puisque nous sommes universels, les droits de l'homme. Dire ça face à des Chinois, à des Africains, etc., c'est presque, je vais dire, insultant dans la relation interculturelle, parce que ça voudrait dire que les Européens sont tellement universels qu'ils n'ont pas besoin de référer à quelques particularités et que c'est aux autres qui doivent s'arracher de leurs particularités. Or, à l'échelle mondiale, l'Europe, c'est aussi une histoire singulière, profondément marquée par les violences religieuses, par les guerres confessionnelles, mais qui a réussi, et il y a tout un cheminement philosophique, tout un cheminement théologique, tout un cheminement sociopolitique, à construire la paix civile et à organiser des collectivités politiques qui ont réussi à établir une citoyenneté qui traverse les différences religieuses, culturelles, linguistiques, etc. Et donc, c'est important à montrer que ce n'est pas venu comme ça. Il y a eu toute une série de conflits, et il y a des héritages qui ont contribué à construire, dans le conflit, c'était pas facile, cette paix civile et cette approche positive de la pluralité, de la différence des cultures et des religions. À mon avis, c'est un atout de le rappeler, plutôt que, excusez-moi, c'est paradoxal de le dire, comme si c'était tombé du ciel, alors que ça s'est aussi construit dans la douleur, qu'il y a tout un processus derrière. À l'échelle mondiale, c'est important. D'ailleurs, je constate que la France, elle est universelle abstrait à l'intérieur, par rapport aux particularismes régionaux, linguistiques, confessionnels, etc. Et elle est universelle concrète dans la mondialisation pour défendre la francophonie, l'exception culturelle, etc. Parce qu'à l'échelle de la mondialisation, on aime bien rappeler sa particularité. Mais il faudrait peut-être articuler cela. Un grand merci à tous les deux.